Et bonjour tout le monde, c'est Ouz et nous sommes sur WoW. Et oui, effectivement, ça fait quand même quelques temps que je n'ai pas fait de vidéo sur WoW, simplement parce que je n'y jouais pas. Voilà, hein, j'ai arrêté d'y jouer à peu près, on va dire, fin juillet, fin août, je sais plus exactement. Parce que voilà, bon bah disons que j'étais un petit peu lassé. J'ai énormément joué depuis la sortie de WoW, hein, surtout les 6 premiers mois, là vraiment j'étais à fond. Et voilà, cet été un petit peu moins, le patch 6.2 il me semble était sorti en juin, ça avait relancé le truc, ça avait relancé notamment Tanahan, donc ouais j'avais farmé, j'avais monté les réputes, j'avais fait tout ce qu'il fallait, et puis c'est tout. Mais là, bah, comme je vous l'ai déjà dit dans une des vidéos, à chaque fois qu'il y a la BlizzCon, c'est toujours pareil, hein, voilà. Dès que la BlizzCon arrive, on parle de WoW, on parle des jeux Blizzard et tout, et ça me donne de nouveau envie de jouer au jeu. Et disons voilà, je vous rappelle aussi qu'on est sur une vidéo freestyle, hein, je ne sais pas si je l'ai dit, mais vous l'aurez compris, donc on blablate, on parle de WoW, et c'est déjà pas mal. Donc ouais, là ce qui va se passer en fait, c'est que j'ai monté mon chaman, c'est un truc que j'avais envie de faire déjà depuis un moment, voilà, il était level 90, puis 91, puis 92, mais voilà, je l'avais arrêté là, et d'un coup, bah, j'ai réussi à me remotiver, je me suis dit, allez hop, c'est parti, on rejoue à WoW, on se monte le petit chaman et le hunter, hein. Enfin, le Hunter, vu que je l'avais fait en let's play, il était déjà niveau 100. Mais vraiment, le but, c'était de le stuffer. Donc voilà, j'ai décidé de faire ça. Et force est de constater qu'aujourd'hui, ça va extrêmement vite. Mais alors, à un point, je suis, pour tout vous dire, assez étonné par la rapidité du PEX. C'est-à-dire que là, on a énormément de moyens d'augmenter ce fameux pourcentage de PEX. Nous avons tout le stuff héritage, hein, qui est arrivé, bah, je ne l'ai plus, hein, forcément. Le stuff héritage qui donne, je crois, 45%. Nous avons la fameuse popo, il doit m'en rester, j'ai dû les mettre en banque, qui nous donne 20%, la potion qu'on achète au niveau du fief. Et cette semaine, hein, on a, enfin en tout cas voilà, pendant 2 semaines, le 11e anniversaire de WoW. Et regardez, il nous donne 11% d'XP en plus, puisque c'est le 11e anniversaire. Donc ouais, tout ça réuni, ça nous fait ouais, entre 80 et 100% d'XP en plus. C'est assez dingue. Je dois vous dire que là, ça va extrêmement vite. Je suis monté 91 ou 92 au level 100 en une soirée, quoi. Voilà, donc bon. C'est... Enfin, une soirée, quand je dis une soirée, c'est plus... ouais, je sais plus combien d'heures exactement, mais en tout cas, voilà. Ça va très très vite, sans se prendre la tête, sans optimiser le farm, tranquillou. Donc, très 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 content d'avoir pu monter ce chaman enfin level max. Et... encore, à la limite, le PEX en peu de temps, ça me choque même pas. C'est normal, j'ai envie de dire. Parce que les groupes optimisés le faisaient déjà en une journée à la sortie de la bêta. Donc rien d'exceptionnel de ce côté-là. Moi, ce qui m'a vraiment bluffé, c'est la manière avec laquelle on peut se stuff. Alors non, pas de manière opti, hein, on n'aura pas du stuff bis dans tous les sens, cela va de soi. Mais juste un gear convenable. Voilà, juste de quoi faire des instances, de quoi faire du LFR tranquille, faire nos quêtes. Et pour avoir ce stuff-là, ça va très vite. En un jour, donc en gros c'était du... le lundi soir, j'étais level 100. Et le mardi soir, donc bah, la journée d'après quoi, j'étais à level 686 ou 87. Là j'ai dû avoir une petite pièce en plus. Donc ouais, comme je vous disais, c'est pas de l'opti, ça c'est sûr. Mais quand on voit qu'en 2 jours on peut monter et niveau 100 et être à level 680, presque 10... c'est quand même pas mal. Alors là, on a quoi? On a des épaulettes Thor. Moi, j'ai quoi comme épaulettes? J'ai crit hâte. Alors, en chamelem, c'est quoi le plus important? C'est frappe multiple en prio et crit hâte égalité en deuxième. Donc là, moi, j'ai hâte critique. Ouais, je peux avoir mieux. Je peux avoir de la multi-strike. Donc, on va regarder ça tout de suite. Ouais, ouais, bah c'est notamment grâce à ces objets Thor, hein. Donc là, ça, c'est pas terrible du tout. Surtout que maintenant, depuis la 6.2.3, ils peuvent proc en 2 guerres. Hein, donc, mieux que 650. Regardez, il est épique sans avoir mis le fameux token à 20 000 cristaux apogides. Donc ça, c'est cool. Là, il y a full hat. Donc, ouais, non, ça m'intéresse pas. Je le changerai vraiment quand j'aurai de la multistrike. Donc voilà, les objets de Torv, la jungle de Tanahan. Ça, c'est évident, ça aide énormément à ce stuff. Et puis du coup, dans la même journée, je suis parti faire quoi? Je suis parti faire du LFR. Donc, j'ai pas looté grand-chose. J'ai fait Kazakh, j'ai eu 2 objets. Voilà, 711, 711. J'ai fait du craft aussi. Ah oui, je me suis aidé un petit peu du War. Je me suis craft la hache en étape 6 sur 6. Ainsi que
Ah oui, avec les améliorations aussi, grâce au point de vaillance, ainsi que le bouclier 690, il n'a pas encore été amélioré. Il lui reste une étape, plus les... bon, que ce soit un bouclier, hein. C'est pas pressé, hein. Moi, ce que j'augmente en priorité, bien sûr, c'est armes et trinkets. C'est vraiment les trucs qui donnent le plus de DPS. Donc ouais, là, j'ai repris un petit peu j'ai repris un petit peu le goût de jouer à WoW, grâce, ben, encore une fois, à cette BlizzCon. Pour combien de temps? Je ne sais pas du tout, hein. Peut-être que... au bout de 2-3 jours, ça va me saouler, mais je ne pense pas. Là, pour l'instant, je suis bien motivé. Surtout que, comme je vous disais, j'ai le Hunter aussi à stuff. Le Hunter étant déjà niveau 100, high level combien déjà? Le Hunter doit être high level 650 actuellement. Hein, je suis en train de jouer dessus en parallèle du Shaman. Donc, ouais, c'est cool, c'est cool. Ça monte bien, c'est plutôt cool. Là, on a quoi? On a Crit Hat, pareil, je peux craquer cette ceinture, hein, puisque de toute manière, c'est lié. C'est pas comme si je pouvais donner ça à un autre personnage. Donc là, parfait. Voilà, juste parfait. Je viens d'avoir une ceinture. Crit, frappe multiple. C'est le truc top. Donc, très bien, très bien. Je vais mettre ça de côté et puis je l'améliorerai lorsque je choperai un petit token épique. En tout cas, ouais, moi, Shaman, j'aime bien. Ça pète dans tous les sens. Les éclairs, les tornades, les boules de lave et tout. C'est un gameplay que je trouve plutôt cool. Donc, voilà, ça me fait mon petit caster, hein. Quoi que cela dit, j'ai quand même un chaman aussi. Enfin, j'ai quand même un démo, pardon, que je jouais pas mal en début d'extension. Donc, ouais, ça me fait mon deuxième caster. Mais après, en caster, enfin, j'ai même plutôt envie de dire en distance plutôt, je préfère largement Hunter, quoi. Parce que Hunter, ben, ça bouge dans tous les sens. Et moi, j'ai cette bougeotte. J'arrive pas à rester sur place pour caster. Je sais pas ce que j'ai, mais j'ai besoin. Voilà, comme quand on est. Voilà. Un chaman comme ça, mon dieu, qu'est-ce que j'aimerais le jouer. C'est con, hein, ce que je suis en train de faire. Je suis juste en train de sauter comme un débile, mais j'en ai besoin. J'ai besoin de sauter, j'ai besoin de faire des je sais pas moi, des strafes à droite, à gauche et tout. Donc voilà, malheureusement, ils nous ont enlevé ce gameplay un petit peu actif qu'on avait à Mop, hein. Rappelez-vous, grâce à un glyphe, il me semble, on pouvait caster éclair en courant, de même pour le démo. On pouvait aussi caster un sort en courant. Et c'est justement à ce moment-là que j'ai commencé à jouer caster. C'est à l'époque de Mop, lorsqu'on pouvait simplement... Ah merde, c'est quoi? C'est un rare ça? Allez, à pop les cooldowns, parce que lui il a l'air d'avoir 1 million de PV. Je suis pas encore sûr de pouvoir tout OS avec merde. Mon chaman. Donc on claque tout quoi, allez, hop. Et bah il m'a stun hein, l'enfoiré, donc il m'a fait perdre un petit peu, mais c'est pas grave, on va faire une soute, un soutien ancestral. Ah, j'ai encore besoin d'apprendre à... Mais hé! C'est genre le truc à la frame quoi, genre, on se croirait en mythique là, il faut bouger immédiatement. Moi j'étais là en train de discuter avec vous, de faire le truc, et là il me double stun. C'est pas bon ça. Allez, on va se concentrer un petit peu, on va le tuer, hop, voilà, on se met là, il est stun. Il met son AE dans le vent et on va pouvoir le tuer. Donc ouais, un petit peu chiant, hein. Je suis pas vraiment encore à l'aise avec les persos à 1 million de PV. Autant avec le War, je les découpe en 2 secondes, autant avec les autres, bof bof. Alors là, je constate qu'il y a de la musique alors qu'on est dans une grotte. C'est bizarre. C'est un reproche que j'ai fait au début de WoD. C'est que justement, dans les grottes, il n'y avait aucune ambiance, il n'y avait pas de musique, et c'est volontaire hein, de la part de Blizzard, ils voulaient renforcer ce côté un petit peu... Non, moi j'aime pas, j'ai besoin d'avoir de la musique tout le temps. Non, WoW, moi je coche, voilà, je fais partie de ces mecs qui cochent musique en boucle, eh oui. En tout cas, là on est quoi? On est à 46%, hein, je fais mes journées, de toute façon je vais plus les faire pour longtemps, puisque là, le reste du stuff... autant dire que, voilà, c'est quoi ma stratégie globale? Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé de ça, pourquoi je monte ces persos? C'est bien mignon de monter des persos, ça passe un peu le temps, c'est cool. Mais disons qu'il y a une finalité à tout ça, c'est monter les golds, voilà, monter les PO. C'est-à-dire que là, il y a des gens, c'est de vraies usines, des machines Afrique. Ils ont 11 persos, 11 persos level 100 bien sûr, optimisés fief, qui génèrent à peu près entre 20 et 30 000 golds par jour. Par jour. Alors pour toutes les personnes qui me demandent, parce que ça arrive des fois, comment tu fais pour avoir autant de gold, regardez là, j'ai que 250 000 gold. C'est absolument misérable. Bon, j'ai perdu beaucoup de gold parce que j'ai acheté un truc très cher, j'ai acheté aussi des sésames depuis que c'est possible. Donc voilà, tout ça, ça use des gold. J'avais quoi? J'avais 400-500 000 max. Donc oui,
Moi, j'ai jamais été un joueur vraiment riche, alors je suis bien conscient qu'il y a des joueurs qui ont encore moins de PO, ça c'est sûr. Mais en tout cas, voilà, l'astuce prend énormément de temps puisqu'il faut avoir un maximum de persos niveau max. Plus vous avez de persos niveau max, plus vous êtes rentable, ce qui est logique. Et après, quand je vous dis une astuce, tu parles d'une astuce, ça existe depuis un an, hein. Je veux dire, bon, ça n'a rien de nouveau, mais je veux dire, voilà, faut prendre le temps de le faire, et c'est ça le plus long. Vous montez des persos niveau max, vous chopez les bons bâtiments, donc caserne, puis je sais plus quoi, comptoir, auberge aussi, auberge très importante. Pourquoi l'auberge est importante? Simplement parce que ça vous permet d'avoir les espèces de missions très lucratives, et ça vous permet aussi de cibler des sujets avec une technique, un profil qui vous intéresse. Alors là, 1,117, enfin 1,17, j'ai peur, je vais me faire éclater comme le pire. Vous savez quoi? On est là pour tester. Hein. Allez, hop, 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 hop. On claque tout. Voilà. Hop. Et ben, je peux même claquer ça. Tiens, allez, c'est parti. On envoie la sauce. Normalement, je pense que ça devrait le faire. Voilà. Sa vie descend relativement vite une fois qu'on claque tout. Donc ça, c'est cool, c'est cool. Non, non, c'est bon en fait. Je pensais que j'allais galérer. Ah, ça va, ça va. Mon chaman a plutôt bien monté en stuff, donc maintenant je peux m'attaquer à ces persos-là. Le truc, c'est que là, je me suis tellement fait déchirer dans les 2-3 jours qui ont précédé, quand je m'attaquais à eux, parce que j'avais pas encore de stuff. Mais maintenant, voilà, je constate que je peux me les faire, et ça, c'est cool. Donc, ouais, qu'est-ce que je vous disais? Oui, le fief. Alors, l'auberge, ce qui est important, c'est de cibler les followers, en gros, qui ont le trait chasseur de trésors, qui permettent d'augmenter simplement les golds, de doubler, de tripler même selon le nombre de sujets que vous avez, les gains de gold. Et quand vous avez des missions qui apportent énormément, la mission Blingotron, il me semble, je crois qu'elle rapporte 1000 PO, vous pouvez avoir jusqu'à 3, 4, 5000 PO, il me semble, en une seule mission. Donc autant dire que si vous faites ça fois 11, oh là 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 là, je vous raconte pas le bazar. Et donc voilà, la finalité c'est quoi? Eh bien simplement avoir des golds. Parce qu'on sait que dans ce jeu, les golds ont leur importance. Et donc moi, ce que je veux en fait avec les golds, c'est pouvoir me payer, j'allais dire, des sésames. Non pas des sésames, mais des... D'ailleurs, pour ceux qui sont riches, ça peut être intéressant de claquer un sésame pour avoir des persos niveau 100. D'ailleurs, il va falloir que je le fasse, parce que moi, je sais forcément que je vais pré-collégion, cela va de soi. Ça me fera un niveau 100 de plus. Et ouais, why not? Donc ouais, ce que je veux vous dire, c'est... Faites ça avec un maximum de persos, chopez des golds et vous pourrez jouer à WoW gratuitement en achetant des mois à la hache, hein, du temps de jeu avec des golds. Et puis surtout, ce que je vise en priorité, c'est une transmo. Voilà, une espèce de transmo qu'il y a au Black Market. Je ne sais pas si vous connaissez cette transmo. C'est une espèce de hache bizarre. Une hache guitare. Je me suis très très peu renseigné sur cette arme, pour être tout à fait franc. D'ailleurs, je ne sais pas où elle s'obtenait à l'époque d'en haut. Vraiment, j'en ai aucune idée. Mais voilà, c'est une hache, vous savez, qui appartient au groupe Level 70 ETC, là, ou je sais plus quoi exactement. Une espèce de Spinal Reaper, là, une hache en arcanite, avec bah, des cordes et tout, de guitare. Et puis, il y a la même en mode elfe de sang. Donc... Ces armes-là pop de temps en temps à l'hôtel des ventes. Et puis moi, celle en déchireuse en arcanite, là, je la trouve tellement, tellement, tellement stylée que... Ouais, voilà, c'est tout. C'est vraiment une arme qu'il me faut. Et c'est le genre d'arme bah, qui coûte extrêmement cher. Donc voilà, ballot, ballot. En tout cas, une chose est sûre, c'est que comment dire? Cette arme-là coûtera probablement le million. Hein. Ça, c'est sûr, ça coûtera à peu près le million. C'est un peu comme, vous savez, les montures très rares, hein, voilà, comment dire, pestiféré là. Le proto-Drake pestiféré qui n'existe plus. Une fois qu'il pop sur Rijal, même s'il pop à 3 h du matin, il atteint immédiatement les 950 000 PO, genre en quelques secondes. Donc oui, c'est des armes, c'est des objets dans le jeu qui coûtent extrêmement cher et pour pouvoir se les payer... Eh ben, il faut avoir des golds, voilà, et je suis très très loin d'avoir assez. Donc j'aimerais bien avoir 2-3 millions de gold, histoire d'être tranquille, et eh bien pour avoir autant de gold, eh ben, il faut s'y mettre, quoi. Donc voilà ce que je suis en train de faire aujourd'hui, actuellement plutôt. Je suis en train de monter un maximum de persos, histoire de générer un maximum de gold via le fief, parce que via la hache, je n'en peux plus, voilà. Il y a des mecs, c'est des bots IRL, c'est des gens qui, ben, c'est pas une critique, hein, mais je veux dire, ils n'ont pas une vie à côté du jeu. C'est-à-dire que c'est des gens qui peuvent camper le jeu... Il y a un mec, pour tout vous dire, sur Rijal,
Ils campent la hache de à peu près 10h du matin jusqu'à 4h du matin. Et pendant toute cette tranche horaire, il sera là à undercut le moindre des objets que vous mettrez à la hache. Hein. Donc en gros, à enlever son objet et le mettre moins cher que vous, histoire d'apparaître plus haut lorsque les gens recherchent les objets. Voilà. Donc en gros, c'est pas que c'est impossible hein, de vendre des objets. Parce que voilà, vous trouverez quand même des gens qui. Enfin, il n'a pas non plus un stock infini. Donc des fois, il va tout vendre. Le temps qu'il refasse un peu un stock et tout, vous pouvez toujours vendre un ou deux trucs entre. Voilà, mais. En gros, on peut pas faire ce que je faisais à l'époque. À l'époque, quand j'étais sur Archimonde, ou même quand j'étais sur Shogal par la suite, ou même sur Dalaran, peu importe les serveurs où je suis passé, j'arrivais à faire énormément de gold, plusieurs centaines de milliers de gold dans les jours, on va dire, stratégiques, genre le mercredi et tout. Donc, c'était vraiment, vraiment ouf. J'arrivais à farmer énormément de gold. Voilà, ça c'est plus possible aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui soit utilisent des bots, soit sont des bots IRL. Donc c'est dur de lutter hein, si on a envie de vivre un petit peu à côté. Enfin bref, tout ça pour dire que actuellement je monte des persos bah, pour jouer au jeu et pour faire des golds. Voilà, ceci étant dit, on va finir sur la bêta. Voilà, bah, la bêta, qu'est-ce qui se passe? Eh bien ça avance grandement. À mon avis, elle arrivera très 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 bientôt. Peut-être qu'au moment où vous aurez cette vidéo, eh ben, elle sera déjà sortie, je ne sais pas, puisque je vais la sortir sur ma chaîne d'ici 2-3 jours. Beaucoup de data mining actuellement, MMO Champion, WoW, etc., sont en train de fouiller dans les fichiers du jeu qui sont disponibles. Hein. Blizzard est en train de les mettre en ligne actuellement, ce qui fait que la bêta arrivera très 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 bientôt, genre dans la semaine, probablement. Alors, elle arrivera peut-être aux US dans un premier temps, mais de toute manière, on n'aura pas d'accès à d'abord les YouTubeurs, les streamers, les sites, les fan sites et tout. D'ailleurs, ce qui me fait halluciner, c'est que dans la hiérarchie, les streamers sont passés devant tout le monde. Pour n'importe qui, hein, je sais même pas que pour Blizzard, c'est pour n'importe quel groupe, ils vont préférer donner une clé à un streamer qui va faire 15 000 viewers tous les soirs. Plutôt qu'à un youtubeur qui a 1 million d'abonnés. Ben après, pourquoi? Ben parce qu'ils ont dû faire des calculs et se dire qu'un mec qui a 15 000 viewers tous les soirs en moyenne, ben il doit y avoir peut-être 20, 30, 50 000 personnes différentes qui passent dans la soirée. Alors qu'un youtubeur qui a 1 million d'abonnés, peut-être qu'il ne fait que 30, 40 000 vues par vidéo. Je ne sais pas du tout quels sont leurs calculs. Mais en tout cas, voilà. Il donne en priorité aux streamers, donc putain, qu'est-ce que j'aimerais être un gros streamer pour avoir tous ces accès-là. Et puis à côté de ça, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent, bah, voilà, comme je vous l'ai dit aux youtubeurs, les fansites sont relégués en troisième deuxième position s'ils sont gros. En tout cas, oui, tout ce qui est Mamitwink, Jojip, etc., auront bien évidemment leur clé Day One. Cela va de soi. Hein. Et heureusement d'ailleurs, comme ça leur permet de nous faire plein de vidéos, de nous. Ben voilà, faire des guides, des dossiers et tout, et c'est là-dessus qu'on se base tous. Donc c'est normal pour moi que ces gens aient un accès très vite. En tout cas, voilà, j'espère vraiment, vraiment avoir mon accès très vite, puisque moi aussi, j'ai énormément envie d'en parler avec vous. J'ai vraiment envie de couvrir ce truc à 1000%. Là, je suis hypé à fond. Tout le data mining, je le regarde. Les artefacts et tout ce qui sort actuellement. Pouah là là, qu'est-ce que ça me motive. Donc bon, ben, qu'est-ce que je fais en attendant? Eh ben, je joue à WoW. Classique, j'ai envie de dire, enfin pas classique, hein, pas vanilla, mais WoD quoi. En attendant, eh bien, d'avoir cet accès, mais en tout cas, voilà. Tenez-vous prêts, les streams sur l'extension, les dossiers dans les fansites et tout, ce sera pour très 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 bientôt. Ben voilà, écoutez, j'ai fini mon petit blabla, putain, quand même 20 minutes de vidéo, moi je pensais vous parler avec vous genre 8-9 minutes, et ben non, hein, comme quoi, voilà, quand on me lâche sur WoW, forcément je blablate. Bon, en tout cas, ouais, vous avez l'habitude de ces vidéos, voilà, par moments, j'aime bien bah, prendre un petit moment pour vous dire ce que je fais actuellement sur WoW, pourquoi je le fais, quelle est l'actualité, ce que j'attends. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à lâcher des commentaires. Racontez-moi ce que vous faites actuellement sur WoW, enfin, sur WoW ou pas. D'ailleurs, est-ce que vous jouez à WoW ou est-ce que en attendant justement... Bah, du nouveau contenu, vous êtes passé sur un autre jeu. Voilà, balancez tout ça. Je lirai vos commentaires avec plaisir. Et sur ce, ben voilà, bonne journée. Ciao, ciao!